Comment se relever d'une situation difficile? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager trois conseils simples et stratégies à pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour vous relever d'une situation difficile. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment de venir me voir. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin. Je vous publierai dans les prochains jours pour ne rien manquer. Vous n'avez que deux choses à faire. Premièrement, cliquez sur le bouton rouge ici, s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui s'active pour être informé des prochains partages. On rêve tous de vivre une vie paisible, une vie en paix dans laquelle on est heureux, épanoui et que l'on accomplit les choses qui sont importantes pour nous. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde la réalité en face, la vie n'est pas toujours tendre. On peut recevoir quelques coups et de se retrouver par terre, et puis parfois certains se relèvent et puis d'autres restent ici allongés et à terre. Comment faire dans cette situation si vous suivez cette vidéo et que vous vivez un instant difficile, douloureux, au niveau de votre business, au niveau des sentiments, au niveau même du corps, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau de l'entreprise, de la carrière, au niveau émotionnel, bref, une situation difficile, comment vous relever et avancer aujourd'hui. Juste avant de vous partager ces trois conseils, ces trois enseignements, je voudrais tout d'abord vous parler d'un état d'esprit qui vous aidera à mieux utiliser et comprendre les conseils que vous allez découvrir juste après, et surtout vous ouvrir à un nouveau champ des possibles. En milieu francophone, dans le monde francophone, bien souvent, sans généraliser ou stigmatiser, on a tendance à associer le mot échec ou le mot difficulté, douleur, comme quelque chose de vraiment très négatif. C'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie qui n'est pas bon, qui est négatif ou qui une situation dans laquelle on n'a pas réussi, on n'a pas atteint son objectif, on l'associe à une situation très mauvaise et une situation où notre image et notre estime de soi en prend un coup, on se sent affaibli après cette expérience. Ça commence très tôt à l'école, évidemment, lorsque l'on était banc de l'école et que on faisait une faute d'orthographe. On nous frappait sur les doigts ou on mettait avec le marqueur rouge, et donc on apprend très rapidement à ne pas faire de faute, d'erreur, parce que faire une faute, faire une erreur, faire ce qu'on appelle un échec est une situation douloureuse, triste et faible. En revanche, dans le monde anglo-saxon, le mot échec, le mot insuccès est synonyme de réussite, est synonyme d'expérience, est synonyme justement d'enrichissement. Et une des histoires qui m'a beaucoup plu, si vous regardez dans les grands cabinets de recrutement américains, souvent dans les plus grandes sociétés aujourd'hui du monde, la plupart du temps, lorsque on passe un entretien de recrutement et qu'on passe un entretien, on demande à la personne qui raconte tous ses succès, on lui demande combien de fois elle a échoué, combien de fois, même si pour moi le mot échec n'existe pas, c'est une expérience ou un insuccès temporaire, et je l'applique et j'utilise pour cette vidéo pour vous partager ce message. Et on lui demande, au-delà de tout ce que vous avez raconté de bien beau que vous avez fait, dites-nous combien de fois vous êtes-vous planté? Combien de fois avez-vous échoué? Combien de faillites de société avez-vous réalisées avant de lancer ce projet? Ou combien de fois avez-vous manqué votre cible? Et là, lorsque les recruteurs posent cette question, c'est parce qu'on sait très bien que cet insuccès-là ne se répétera pas, parce que si vous avez connu justement plus d'insuccès, le plus possible, et que vous avez appris de chacun de ces insuccès, on sait que vous êtes plus fort. On sait que vous êtes plus grand. Et donc, on peut vous transmettre, donner ce poste-là, on sait que vous allez y arriver. Ou on peut investir dans cette entreprise avec vous. On sait que vous avez des outils puissants pour pouvoir atteindre la cible d'une façon beaucoup plus brillante. Ça me rappelle l'histoire d'Henry Ford, l'un des hommes les plus riches du monde de la première moitié du XXe siècle, qui racontait souvent, qui a inventé justement, vous voyez, cette lampe avec ce cylindre, quand on lui demandait son invention qu'il a fait fortune, avant de trouver sa formule, il a eu des insuccès temporaires plus de 9000 fois. C'est-à-dire plus de 9000 fois, il n'a pas trouvé la formule. Les scientifiques, les ingénieurs qui étaient autour de lui, qui travaillaient avec lui et pour lui, lui disaient que son idée était impossible, que c'était tout simplement pas possible. Et lui, il y allait. Imaginez-vous 9000 fois. Et lorsqu'on lui a demandé, on lui a dit, mais comment avez-vous fait pour, après 9000 échecs, tenir bon et croire toujours que vous alliez y arriver? Il a dit, ben c'est très simple. C'est parce que je n'ai jamais échoué. J'ai juste appris des façons différentes de ne pas atteindre ma cible. Et les 9000 fois, c'était 9000 expériences différentes. Et je savais à chaque fois qu'il fallait que je fasse différemment. Et j'ai réussi à trouver cette fois-ci et j'ai fait fortune grâce à ça. Je voudrais donc vous partager, quand vous comprenez cet état d'esprit-là,
monde francophone, anglophone, c'est de vous approprier. On ne prend pas tout ce qui est bien ou bon chez le voisin, mais là, prenez-le. Prenez-le, inspirez-vous de ça. Parce que ce que vous avez vécu dans le passé, c'est une perception. Voici maintenant les trois conseils que vous allez pouvoir appliquer pour vous aider justement à vous relever d'une situation dite, et je dis bien dite, difficile. Le premier des conseils, il est simple, c'est de modifier votre perception. C'est la perception. En réalité, quand je dis en réalité ou en vérité, la réalité ou la vérité, elle appartient à qui? Ma réalité, ma vérité n'est pas forcément exactement la même que la vôtre, parce que vous avez une autre perception des choses, un autre cadre de référence. Donc si je vous dis ici de modifier votre perception, ce que vous estimez difficile pour vous, il est difficile parce que vous ressentez des émotions déplaisantes de la situation de difficulté. Et vous avez donc une perception négative. Rappelez-vous, anglophone, francophone, même situation, même scénario, ici interprété différemment. Quand vous comprenez cet enjeu-là, vous pouvez décider de modifier votre perception par rapport à cet événement dit difficile. Cette souffrance, au lieu de vous affaiblir, de vous faire perdre votre image, votre confiance en vous, peut vous permettre justement de gagner, d'augmenter, devenir encore plus fort, d'être cette personne qui sera remplie d'expérience, que tous les cabinets s'arracheront et qui pourra développer une entreprise et tous les investisseurs seront prêts à le suivre parce qu'on sait qu'il a une grande expérience. Donc, je vous invite vraiment à modifier premièrement votre perception par rapport aux événements qui vous sont arrivés, que vous estimez difficiles, qui vous ont fragilisé, s'ils vous ont fait perdre votre amour, votre estime de vous, c'est de modifier. Ça part d'abord dans la tête, et avant la tête, vous pouvez vous mettre dans une posture différente, parce que le corps, ici, de cette biochimie puissante, vous aidera ici à influencer vos pensées. Quand vous allez vous mettre comme ça, l'influx nerveux va remonter jusqu'en haut, et vous allez voir que rien qu'en vous mettant dans une posture positive, quelque chose de positif, comme si vous étiez quelque chose de vivre une situation agréable, et bien là, ensuite, vous changez cette perception. Vous allez voir que ça change beaucoup parce que déjà là, vous réalisez que waouh, je suis en réalité quelqu'un de chanceux. Premier élément. Ensuite, deuxième élément, c'est prenez le temps, maintenant que vous avez changé cette perception, de regarder tous les avantages que cette situation dite difficile vous a apporté. Imaginez un instant, vous trouviez la situation difficile, ce licenciement vous a mis à la porte de votre entreprise et vous sentiez très mal, une perception d'échec, faible estime, image. Mais regardez les avantages, aujourd'hui le temps que vous avez, cette opportunité que vous avez de lancer cette affaire, de lancer ce business, ce projet, de créer une nouvelle vie, de reprendre le dessin de votre vie, reprendre un crayon et d'avoir le temps de redessiner et de repartir avec toute cette expérience que vous avez emmagasinée. Je vous invite donc, c'est difficile à le faire lorsque l'on a les idées qui sont peu claires, lorsqu'on a le sentiment d'avoir échoué, d'avoir fait quelque chose de mauvais, de négatif, d'être le dernier de la classe. En revanche, si votre perception est différente et que vous êtes le premier de la classe, celui qui a le plus d'expérience, celui qui avait une situation tellement forte qui pourrait transmettre cette situation à quelqu'un qui pourrait la vivre pour aider cette personne à ne plus la vivre à son tour. Et maintenant, prenez le temps, appuyez sur pause sur cette vidéo et inscrivez tous les avantages que vous avez tirés. Je sais que ce sera difficile de pouvoir le noter la première fois, mais prenez le temps de le faire. Vous verrez qu'à la fin, vous vous sentirez tellement libéré, tellement mieux. Lorsque vous avez fait ce deuxième point, ce deuxième conseil, voici le troisième point. La gratitude. Sentez-vous reconnaissant. Et là, l'attention est très importante. Vous portiez votre attention sur ce qui ne fonctionnait pas, sur ce qui était mauvais. Et si maintenant, vous faites le temps de cette vidéo, vous changez votre viseur. Comme si là, il y a une caméra qui est face à moi, elle a un objectif vis-à-vis de moi, face à moi. Et si nous décidions de changer l'angle, on regarde à un autre endroit, on porte l'attention à un autre endroit, on verra une image différente. Ce ne sera plus moi qui sera à l'écran, mais ce sera une image différente. Ce sera peut-être la fenêtre ou la mer qui est juste là, ici, face à moi. Et faites la même chose. Portez maintenant ce viseur, cette attention sur votre vie actuelle, sur ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous incarnez. Et prenez le temps de chercher tout ce qui est fort, qui est bien, qui est bon, comme tout simplement par exemple le fait de vous être levé ce matin avec un sourire, ou pas peut-être, mais le fait déjà de vous être levé quand d'autres ne sont pas levés. Et regardez maintenant autour de vous ce que vous avez réussi à faire, à accomplir, ce que vous êtes. Et surtout, ne vous laissez pas diminuer par cette faiblesse d'image que vous aviez avant parce que vous aviez une mauvaise perception. Comme elle a changé cette perception, vous savez que vous avez énormément d'expérience. Prenez le temps,
arrêtez-vous. Souriez à la vie, dites-vous je suis heureux et fier et content de faire ça, d'avoir ça, de représenter ça. Et vous allez voir comme ça que si vous associez cette gratitude avec une émotion de gratitude, je ne dis pas simplement une pensée de gratitude, commencez par la pensée, vous verrez que très rapidement, il y aura également une émotion de gratitude. Et quand l'émotion arrive, c'est là que vous aurez gagné. Parce que si l'émotion vient, quand l'émotion vous prend, automatiquement, ça va envoyer ici le message à la partie inconsciente de votre cerveau qui voulait vous bloquer, vous empêcher, vous faire croire qu'il y a du danger autour et qu'il faut se recroqueviller sur soi. Là, elle sentira qu'il y a une émotion positive qui vient de quelque part, de cette gratitude. Donc elle sentira qu'elle n'est pas en zone de danger, mais bel et bien en zone de sécurité, de plaisir. Et elle voudra comme ça, ensuite, que vous retrouviez ce sentiment de plaisir. Et elle vous aidera, la partie inconsciente de votre cerveau, qui est quand même maître de plus de 90% de vos actions, de ce que vous faites au final. Elle vous aidera à mettre en mouvement les choses qui sont importantes pour vous. Et c'est comme ça que vous vous relèverez de cette situation dite difficile, que vous voyiez comme difficile avant, mais maintenant, grâce à ce partage, en tout cas c'est ce que je fais comme vœu, vous saurez que c'est une situation qui était une situation où il y avait des avantages et il y a également une belle perception nouvelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ce que vous venez de découvrir fait partie de la transformation complète que tout entrepreneur, futur entrepreneur ou passionné de liberté doit pouvoir traverser à l'intérieur de lui-même pour être en mesure de réaliser les choses qui sont importantes dans sa vie, pour réussir dans le business, dans les affaires, dans la vie, dans n'importe quelle discipline. Et j'appelle ça le parcours de transformation ALEC de l'entrepreneur prospère. Il y a 4 phases dans lesquelles chaque personne passionnée traverse pour pouvoir atteindre ce niveau d'excellence, être libre dans le temps, libre dans les finances, libre géographiquement, libre émotionnellement à tous égards. Et j'ai créé pour vous ce que j'appelle ici le parcours de transformation ALEC. C'est ce document qui résume plus de 15 années d'expérience personnelle entrepreneuriale. Et ce document vous montre avec facilité et simplicité, quels sont les éléments à pouvoir travailler et traiter. En sachant ce qu'on a vu ensemble ici fait partie de la première phase, qui est la phase de l'alignement, il y a la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Ce qu'on vient de partager dans cette vidéo fait partie de la phase d'alignement où on va développer une psychologie gagnante, un mental gagnant, parce que lorsque vous développez un business et que vous grandissez, mais il y a plus de responsabilités, plus de décisions à prendre, les émotions à ce moment-là, eh bien, doivent être fortes et maîtrisées. Et vous pourrez encore, même dans ce parcours, encore tout perdre. Vous pouvez perdre votre entreprise, vous pouvez perdre quelqu'un, un proche, vous pouvez perdre des choses. Mais sachez qu'à l'intérieur de vous, lorsque vous aurez développé cet état d'esprit, cette façon de penser, cette façon d'être, dans tous les cas, dans toutes les situations, vous serez en paix à l'intérieur de vous-même. Ce ne seront plus les situations externes qui vont influencer, impacter votre comportement ou vos émotions du jour. Vous aurez vos émotions parce que vous aurez choisi d'avoir ces émotions-là. C'est ce que je souhaite pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le pouce vers le haut au bas de cette vidéo, comme ça, ça dure 3 secondes, ça permet à d'autres personnes de découvrir ce partage. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, il y a le bouton rouge s'abonner qui est juste là. Et puis laissez-moi ici au bas de cette vidéo en commentaire quel est l'élément que vous avez trouvé le plus pertinent en suivant cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger, à partager avec vous. Je vous envoie mes meilleurs vœux d'amitié, de succès et de liberté et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax, merci.